be what I want to be. Le pain. Tu connais cette chanson? Non. Ah, je vais la mettre. Ah, tu connais son nom de vie. Je connais moi. On va aller aux vaches landaises. Hop. Allez. C'est en fait, bon, c'est un peu traditionnel, mais il y a un côté rigolo dedans. En fait, c'est... Il y a des écarteurs. C'est les mecs qui est, enfin genre, les vaches elles leur foncent dessus et genre ils écartent les vaches comme ça là. Et après il y a les sauteurs, ceux qui sautent par-dessus les vaches. Et après il y a les jeux à la con, où genre le public il peut aller dans les vaches, enfin dans l'arène, avec les vaches. Et là c'est plutôt fun. Enfin je vais amener Martin, ça va être rigolo. Il a mis une bière au congélateur, je lui ai dit de pas le faire. Évidemment il a oublié. La bière a explosé, ça a coulé dans le frigo. Sur le paquet de... Des montagnes français ratées quoi. Oh je prends ça pour applaudir les gars. Olé. Mec, on est passé à super. Oh, il y a un mec qui a fait un accident devant nous, c'est trop drôle, il a défoncé sa caisse. Je te jure, il est gentil, un peu comme moi quand je suis au téléphone, il regardait pas la route mais lui il regardait le lac. Et le mec il a pilé devant lui parce que des enfants allaient traverser. Et du coup le mec devant il a pas regardé, il a défoncé sa caisse. Oh merde, la 4L, j'avais pas vu. Il s'est chié dessus. Tu la touches, mec, je peux te dire, tu prends une patate directe. Je préfère les frites, moi, pas les patates. Attends, le portail. Mec, Paul, ça sert. On ferme le portail. Le gars, ils peuvent l'enjamber ou l'ouvrir par deux. Et alors? On le ferme, c'est question de principe. Au pire, on se casse sans lui, quoi. Tu pourras lui faire une petite blague, faire le tour du quartier. Attends, putain. Oh non, je ferme la porte, j'entends qu'il a... Non, laisse ouvert. Je vais attendre qu'il arrive près de la caisse et... Dites-moi quand. Et ta porte est ouverte. Il va tout faire en descendant, il va être fatigué avant les machettes. Allez, c'est salaud. Allez, viens, c'est bon. Arrête. T'aurais dû refaire une petite fente quand il... Casse-couille ce gosse. Mec, c'est bon, on rigole un peu, tu me fais pas des blagues, toi, des fois. Je me gare, là. Hein. C'est 21h30, mais ça commence à 22h, en fait. Ouais, le feu d'artifice, on va se le mettre dans le cul, je sens. Ouais. Il est à quelle heure le feu d'artifice? Entre 23h et minuit. Ouais. Merci. Ce soir, Noël. Je vais faire écouter du rock. La passion d'une région, la passion des Landes, qui est la course landaise. Alors ce soir, bien sûr, vous aurez la vraie course landaise avec les écarteurs, les sauteurs. On va vous présenter ça dans quelques instants. Et aussi, il y aura bien sûr les vachettes landaises qui sont un peu moins méchantes, qui seront réservées ce soir aux amateurs. Les enfants ne seront pas oubliés. D'accord? Allez, on y va, on met la musique. Là, les bières. Allez, excellent travail, ce jeune garçon, ce soir. Parfait, celui-là. Et sans sérieux. Ça, c'est un mec qui a les couilles. Allez,
puisque on va sortir les vaches pour les amateurs. C'est pas plus compliqué que ça. Là. Et après, bien sûr, on va vous expliquer le jeu. Et Bastien, en travers un petit peu. Regardez les vaches anglaises. C'est pareil. Elle revient. Allez messieurs, vers ce monde. Ah dommage, le garçon a failli mettre la main. Là oui, eh bien, on applaudit le garçon. Ils vont tous se mettre là-bas au portail. Et on verra après. Yes. Memories and tests and it will be best.